Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby, I can sit beside you while you're gone. Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va nettoyer et décorer la maison pour le printemps ensemble. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais enlever toutes les étiquettes et tous les emballages des décorations de printemps. J'aime bien faire ça à l'avance, comme ça je ne perds pas de temps lorsque j'installe la décoration. En plus de ça, avant l'installation, je passe tout en machine, comme ça tout est bien propre. Je vais lancer une machine avec un cycle de lavage assez rapide, histoire que ça soit quand même propre. Et dès que c'est terminé, je mets tout sur l'étendoir et je mets l'étendoir dehors, comme ça, ça va sécher vite. N'hésitez pas à voir ma précédente vidéo où je vous présente tous les articles que j'ai achetés pour ma décoration de printemps. C'est un haul, je vous mets le lien dans le petit i. Let's go. Nous sommes le lendemain, tout est sec, du coup je passe dans la chambre et je vais mettre les housses de coussin et les plaids. J'ai hésité entre les deux housses de coussin mais au final je me suis dit que j'allais mettre les plus simples. You gotta understand that we get
J'en profite également pour mettre le plaid sur le couvre-lit, comme ça, ça fait un petit rappel de couleur. Face everywhere when I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Je passe maintenant dans le salon et la cuisine. Vous pouvez voir que j'ai déjà mis les rideaux. Je les fais toujours sécher directement sur la barre à rideaux. Au moins, il n'y a pas de plis. Je commence par nettoyer ma table de cuisine et mon plateau miroir car il était très sale et très poussiéreux. J'en profite également pour faire le deuxième petit plateau qui va dans la cuisine. Je passe un coup de nettoyage sur la table et ensuite je vais nettoyer mon vase où je vais mettre mes nouvelles fleurs de printemps. Dès que j'ai installé la décoration sur la table de cuisine, je vais passer un petit coup rapide sur mes chaises parce qu'il y avait pas mal de petites traces noires avec les pantalons et les jeans. Du coup, s'agissait de le faire régulièrement pour garder mes chaises en bon état. Ça fait un moment que je n'ai pas dépoussiéré et nettoyé mon miroir dans le salon. Du coup, j'en profite de le faire pour qu'il soit bien propre parce qu'il y avait quand même pas mal de traces et aussi des petites traces du museau de Shadow. Pour le meuble télé, vous êtes habitué, comme d'habitude, je le nettoie avec ma microfibre rose pour le salon. C'est vraiment le code couleur que j'ai adopté depuis plusieurs années. Goodbye, bye, bye. If you just believe it, I know
Je vais aussi dépoussiérer la console d'Anthony parce qu'elle prend énormément la poussière. Je passe maintenant au salon, je vais dépoussiérer ces fameuses étagères. Celles-ci, elles viennent de chez Butz. Elles étaient dans un état pas possible, ça fait un long moment que je ne les ai pas faites. Du coup, je vais bien nettoyer ça parce que c'était pas possible d'avoir des étagères aussi sales. Give me a chance. Yeah, baby, try. Just one more night. Then make up your mind. Please don't say that it's goodbye. If you just believe it, I know we can make it. Je remplis mes cadres avec des nouvelles images que j'ai fait avec Canva. Je vais les mettre sur mes deux étagères au-dessus du canapé. J'ai vraiment fait des images très simples. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. I'm sorry. Je passe aux tables de salon, je vais les nettoyer et pour cela j'utilise le produit Briochin spécial vitre et je prends aussi ma microfibre en bambou qui vient de l'atelier du bambou. C'est une société française qui fait des microfibres, des éponges et des lavettes en bambou. Elles sont vraiment top, n'hésitez pas si ça vous intéresse, en plus de ça c'est écologique. Les liens sont en barre de description, n'hésitez surtout pas à checker parce que j'ai beaucoup de commentaires où on me demande telle et telle référence. Mais je mets tout en barre de description avec les liens, n'hésitez surtout pas. Je passe un bon coup d'aspirateur en profondeur avec l'aspirateur Jimmy. Et ensuite, je peux placer ma nouvelle décoration, dont j'ai vraiment fait simple pour le salon. Je ne voulais pas trop charger parce que c'est une couleur assez spéciale. Et j'avais un peu peur de me lasser, du coup je me suis dit que j'allais pas trop remplir en décoration. Je mets aussi des petites décos sur ma table de salon et ensuite je rajoute le plaid en bout de canapé pour pas que ça fasse trop vide. C'est la première fois que je prends ce genre de plaid et je peux vous dire que c'est vraiment bien, il tient chaud, c'est un peu en matière nid d'abeille et c'est pas du tout désagréable. J'enlève les cadres qui sont au-dessus de la télé et je vais changer les affiches. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mes affiches, je les fais sur Canva. Je mets ma petite décoration dans la cuisine sur mon plateau. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait très simple. Pour terminer, je passe un bon coup d'aspirateur laveur sur le sol parce que j'ai fait les poussières. En plus de ça, Shadow perd énormément ses poils ces temps-ci. Du coup, pour moi, c'est un gain de temps et un gain d'effort. Et pour cela, je prends le Ultenic AC1 pour nettoyer le sol. Try to build my walls up, but you're taking
Je vous montre maintenant ma décoration. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. J'espère ne pas me lasser trop vite parce que j'ai déjà hâte de mettre ma décoration d'été. Ça va bientôt faire un an que je fais des décorations de saison et j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like et à vous abonner. Nous, on se retrouve samedi à 10h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels